Le sujet de cette table ronde, on a souhaité choisir l'intitulé « Quelles cultures produisent les quartiers populaires ?» tout un programme, hein, et introduire ces notions-là par la question des droits culturels et la parole aux concernés. Et plus on avancera dans la discussion, vous le verrez, vous l'entendrez, on ira aussi sur la question des discriminations. Bon, je vous présente très rapidement nos trois intervenants, et puis on va démarrer la table ronde. Alors, je vous présente tout à ma gauche Walid Chadbi. Vous êtes journaliste indépendant, et vous êtes notamment journaliste au sein du collectif L'Étincelle Média. Yes. C'est ça. Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous. Je vous présente à ma gauche, le plus près de moi, Nawel Babamed. Nawel, vous êtes sociologue, chargé d'études à Lyon pour l'agence d'urbanisme Urbalyon. Et puis au centre, Julien Talpin, que certaines d'entre vous avaient déjà eu le plaisir de croiser à travers le premier webinaire sur ce sujet-là, juste après les émeutes. Donc Julien, vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS. Donc pour démarrer, je vous pose une première question, Nawel, pour entrer en matière avec la question des droits culturels. L'idée est ici d'évoquer la question de la culture, des cultures populaires, produites dans les quartiers populaires, à travers ce prisme-là que nous avons choisi, qui est celui des droits culturels. Mais avant d'aller plus loin, ça va être important de définir. Nawel, qu'entend-on par droits culturels ? Très bien, donc merci déjà de cette invitation et de vous intéresser aux droits culturels. Mais je pense que mon intervention viendra juste faire écho à ce que font les bibliothèques dans leur ADN finalement. Donc ça sera plutôt une complémentarité avec vos corps de métier. Donc pour revenir un peu sur les droits culturels, je pense que les uns et les autres, vous êtes quand même plutôt bien affûtés sur le sujet. Il existe un corpus assez riche à travers des livres, mais aussi sur Internet pour pouvoir fouiller, aller très loin dans ces questions-là. Donc je ne vais pas lister les 8 droits culturels qui existent parce que vous allez avoir accès, puis je ne veux pas perdre de temps de parole sur ça. Mais en tout cas, je voulais, moi, vous partager la manière dont, moi, on m'a transmis la notion des droits culturels dans le réseau Culture 21, donc de la région Rhône-Alpes, et la manière dont on exerce ça, la manière dont on appréhende ça dans les chantiers en pratique, la manière dont on va creuser et faire atterrir le plus possible cet outil-là dans nos corps de métier. Moi, pour information, je suis sociologue, mais j'ai aussi une expérience dans les collectivités où j'ai été aussi en charge de direction culturelle, de théâtre, direction artistique des théâtres. Donc j'ai aussi cette connaissance-là qui m'a permis aussi de pouvoir être plutôt ancré au sol sur ces questions-là et pas être sur des concepts abstraits. Donc la question aujourd'hui des droits culturels, alors c'est pas un sujet nouveau, c'est un sujet, la question des droits de l'homme est une question qui date au moins à minima de 1948. Et dans les droits humains, on parle de la question de dignité humaine. Et cette dignité humaine, on arrive à la palper sur des questions de logement, de mobilité, d'éducation, de santé. Sauf qu'il est resté un angle mort sur les questions de la culture, de l'accès à la culture, de la façon d'exprimer sa culture, la façon d'imprimer la culture et d'exprimer la culture. Et ces droits culturels, finalement, étaient des droits qui étaient éparpillés dans différents corpus liés aux questions de droits de l'homme et de l'enfant, les questions d'égalité homme-femme, des questions de dignité au sens large. Et le collectif de Fribourg a médiatisé un peu plus ce travail-là, ce corpus-là, en 2007, avec le collectif de Fribourg qui a produit une déclaration, la déclaration des droits culturels, qui n'est pas une recette miracle, qui est plutôt un outil de travail qui permet de prendre des nouvelles lunettes et de regarder la production des politiques publiques de la culture
et de la culture en sens large par le prisme des droits culturels. Alors, qu'est-ce que sont les droits culturels? C'est certainement pas la définition de la culture selon le ministère de la Culture de 1959 d'André Malraux. Ce n'est pas en tout cas que ça. Et c'est intéressant de s'interroger sur la manière de réfléchir à cette définition de la culture par le ministère de la Culture. Aujourd'hui, on est en 2024. Ce ministère a été défini en 1959, post-colonialisme, avec des fonctionnaires qui ont été rapatriés des territoires colonisés pour constituer le ministère de la Culture, donc avec un logiciel de pensée qui était quand même empreint de cette époque-là. Et aujourd'hui, c'est intéressant de se poser la question de la division de la culture selon le ministère de la Culture. En tout cas, les droits culturels, selon la déclaration de Fribourg, sont définis plutôt par une approche anthropologique et qui vient poser la question d'un système de croyances, de valeurs, de langues, de rituels, de symboles par lesquels une personne seule ou en groupe entend exprimer son humanité dans le monde. Et cette notion d'exprimer son humanité dans le monde est fondamentale parce que ce n'est pas la même quand on va interpeller des citoyens, des êtres humains, sur leur humanité que sur leur identité. Et effectivement, tout au long de l'évolution des directions du ministère de la Culture, on a travaillé sur la question de la diffusion de la culture de façon descendante, puis de la démocratisation de la culture, puis de la démocratie culturelle. Et on a beaucoup travaillé sur les questions d'identité culturelle par la suite et des diversités culturelles, qui sont des questions essentielles et importantes, mais quand elles sont déconnectées de l'humanité, elles deviennent des bombes à retardement. Et donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui à décortiquer, c'est de se dire comment on peut penser une offre, mettre à disposition des ressources culturelles, pas de la culture, mais des ressources culturelles qui sont à la fois mobilisables et malléables par tout le monde pour pouvoir les réinterroger, les réinterpréter au fur et à mesure de la manière dont on se représente le monde, la manière dont les représentations du monde évoluent. Et je voulais juste faire référence à un petit schéma qui est issu d'un panneau produit par l'Agence d'urbanisme sur la culture, où c'est intéressant aussi de pouvoir schématiser les choses pour pouvoir se les approprier ensemble, où la culture est représentée en colimaçon, et on part du bas en se disant que la culture, c'est quoi? C'est une perception qui engendre un sens critique, qui engendre un mode de pensée, qui engendre un comportement, qui engendre des habitudes. Et quand on se renouvelle culturellement, on engendre des nouvelles perceptions, un nouveau sens critique, des nouveaux modes de pensée, des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes. Et la question, c'est comment on nourrit des perceptions, comment on les partage, comment on les produit ensemble. Et c'est ce qui va faire la différence entre diversité culturelle ou interculturalité et droit culturel. C'est qui participe à un système de valeurs qui va nourrir des perceptions, un sens critique, des modes de représentation et une nouvelle culture. Donc c'est à cet endroit-là de se dire à chaque étape, à chaque marche, qui, comment, pourquoi participe à ce processus-là. Donc ça, c'est vraiment ça l'ADN des droits culturels. Alors, les droits culturels, ce n'est pas une démarche qui essentialise. Bon, je vais faire l'exercice d'hier. Je me suis amusée à retravailler mon intervention à travers l'exercice d'hier sur ce que ne devrait pas être un établissement hybride. Donc, les droits culturels ne devraient pas être une démarche qui essentialise, une démarche qui culturalise. Je pense que vous comprenez un peu tous ces termes-là. Donc, essentialiser, c'est enfermer dans une essence, un acte, une démarche culturelle, qui culturalise, qui dit « Ah, ça fait partie de sa culture, c'est comme ça, ils sont comme ça, c'est culturel. » C'est pas une démarche qui communautarise. Et ce n'est pas une recette miracle, mais ça, je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, les droits culturels sont un outil de travail qui vont questionner, qui vont aller plus loin dans la question de la dignité, de la légitimité et, ce qui est essentiel, de la réciprocité. C'est-à-dire on se doit d'être reconnu dans son identité, dans sa culture, dans sa pratique, dans ses croyances, dans ses valeurs, dans tout ce qu'on veut, à condition qu'il y ait réciprocité et que, voilà, qu'on joue le jeu aussi d'accueillir culturellement et d'en faire un bien commun aussi. C'est parce que l'étape, c'est aussi d'en faire un bien commun. Et donc, ça invite à prendre sa part, à apporter sa part et à recevoir sa part. Et donc, c'est aussi un outil de travail qui permet de mettre en œuvre tout ça.
Donc j'essaye de la faire très courte, très rapidement. Ce qui se dit là, c'est aussi des préceptes, c'est aussi une philosophie qui a été portée par Christiane Faure, pour ceux qui la connaissent. C'est une femme, une grande dame qui a nourri, qui a travaillé un projet d'éducation populaire dans les années 40-50, qui était entre guillemets la belle-sœur d'Albert Camus, et qui a failli être ministre de la Culture à la place d'André Malraux. Et donc, la question qu'on se pose, si c'était Christiane Faure, câblée éducation populaire, qui aurait produit le ministère de la Culture, qu'est-ce que ça aurait donné? Et je pense sincèrement que ça aurait donné quelque chose qui est plus proche de la notion de droit culturel, dans la matrice, dans intégrée à la question du ministère de la Culture. Voilà, je vous invite à découvrir aussi à Christiane Faure pour se faire le récit. Et si ça avait été elle, qu'est-ce que ça aurait donné en termes de droit culturel? Merci beaucoup, Nawel, pour cette introduction. C'était pas si simple de présenter de manière très succincte cette question qui mérite d'être largement déployée, mais ça permet de poser un peu le cadre. Moi, forcément, j'ai eu envie de faire le lien avec ce qui a été dit hier. Là, je vous ai remis à l'écran le site Jeunes de quartier. Alors, peut-être comme vous, moi, mon réflexe, quand j'ai entendu Jeanne Desmoulins hier, ça a été de voir s'il y avait le mot bibliothèque quelque part ou médiathèque. Alors, il n'y a pas le mot bibliothèque, parce que vous connaissez ces travaux peut-être, mais il y a le mot culture. Et ça tombe très bien, parce que quand on ouvre sur le mot culture, qui a été un des mots qui a été choisi, et ben, tout de suite, on est en plein dans les droits culturels. Je vais juste lire les premières lignes, parce que moi, ça m'a frappé tout de suite. Je ne vois pas très bien, mais ça va aller. Donc, où est-ce que je suis? Voilà. C'est Romain qui parle. Ben, je vais là, je crois, Romain. La souris peut-être simple. Culture, on y va. Oui, c'est tout simple. Alors, Romain qui dit, et là, vous allez voir qu'on est tout de suite en plein sur la thématique des droits culturels. Donc, un jeune de Villeneuve-la-Garenne qui parle, qui dit... La culture, c'est nos cultures, la culture de notre ville, la culture, c'est plein de choses, la nourriture, la musique, la danse et même le sport. Voilà, je m'arrête là parce que je trouve que déjà là, on est en plein dans cette notion-là des droits culturels et ça donne très envie d'aller lire plus loin leur texte. Et je trouve qu'on est dedans, donc je voulais faire le lien avec ce qui a été dit hier parce que ça me semblait assez frappant pour le coup. Alors, je n'ai pas trouvé bibliothèque. Peut-être vous avez trouvé des bibliothèques dans Jeunes de quartier, mais il y a sûrement eu des paroles sur portée et un regard porté sur la question des bibliothèques. C'est preneur pour un prolongement, en fait, et une nouvelle entrée, puisque c'est aussi en ligne. Oui. Il faut le proposer. Oui, les questions des bibliothèques. OK. Bon, super. Donc, il faut aller consulter les vidéos. En ligne, on peut trouver des éléments du projet sur lequel il est question des bibliothèques médiathèques. Merci beaucoup, encore une fois, Nawel. Je m'adresse à vous maintenant, Walid. Vous êtes journaliste, donc, et vous positionnez clairement votre travail sur le terrain des quartiers populaires, enfin, en tout cas, notamment. Ma question, elle est très, très simple. J'ai envie de vous demander... comment vous exercez votre métier de journaliste sur ce terrain-là et qu'est-ce que vous avez envie de dire ou de témoigner en tant que journaliste? Quand vous dites sur ce terrain, c'est sur le champ des droits culturels ou plutôt sur... Les deux, mon capitaine. Ok. En banlieue. Et okay. Puis c'était la question suivante, comment ça résonne cette notion des droits culturels pour vous, journaliste? Ok. À mon sens, ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas, en tout cas c'est la vision que je porte, c'est il ne faut pas traiter les banlieues comme si c'était un territoire qui est complètement différent qu'un autre territoire, puisque justement, généralement, il y a toujours les mêmes besoins en termes de culture, ou même en soi, dans la vie générale, il y a toujours eu les mêmes besoins, qu'on va retrouver peut-être... c'est pas dans une France rurale où on va se retrouver avec le quotidien d'une personne qui va avoir besoin d'un logement, de ressources pour pouvoir vivre. C'est la même chose qu'on va retrouver en banlieue. Donc moi, la première chose que je me dis, c'est qu'il n'y a pas forcément une méthode ou une manière de prendre ou de travailler au niveau de ce territoire-là. Par contre, ce que je peux peut-être dire, et c'est une des choses que j'ai appris au fur et à mesure justement
peu de ma jeune vie d'adulte, c'est qu'il y a toujours eu une question de code et aussi une question de comment approcher la chose, comment approcher un sujet, comment intéresser, faire intéresser les personnes vis-à-vis de toute thématique. Et donc, en temps normal, il n'y a pas forcément une approche particulière. Et après, pour ce qu'il en est des droits culturels, bien entendu, et d'ailleurs, je remercie Nawel d'avoir bien défini cette notion qui est très claire. Et justement, vous avez lu le passage de Romain qui est aussi très, très marquant. En banlieue, il y a une culture qui est propre à elle. En banlieue, il y a une culture qui est très forte aussi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau de certains contextes, parfois cette culture, elle est vue comme illégitime, alors que ça ne devrait pas être le cas. Toute culture, justement, s'équivaut et se vaut. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'à mon sens, il faut aussi composer avec les réalités du territoire. Donc c'est plus ou moins comme ça et sous ce prisme-là que j'essaie de d'établir et de faire mon travail avec notamment mon collectif L'Étincelle. J'ajouterai aussi une chose, c'est que il y a énormément d'initiatives citoyennes et puis même au niveau de la jeunesse, qu'elle soit de banlieue ou pas, il y a énormément d'initiatives et de création d'espaces d'expression. C'est un peu aussi ce qu'on a tenté de créer, que ce soit avec le média que je vais lancer qui s'appelle Rebound, ou sinon plutôt avec l'Étincelle Média qui est plus un collectif plutôt qu'un média, qui viserait à accueillir tout jeune. Par exemple, nous, on est sur Clichy-sous-Bois-Montfermeil et on est hébergé aux ateliers Médicis. Donc Clichy-sous-Bois-Montfermeil qui sont des territoires très qui ont une histoire profonde, ne serait-ce qu'avec les émeutes de 2005. Les révoltes sociales plutôt, dirais-je. Et le truc, c'est qu'il y a cette volonté de faire émerger une parole, il y a cette volonté aussi de donner une place à la parole et aussi de légitimer cette culture propre à la banlieue et au territoire. Ok. Où je bosse. Merci beaucoup. Merci. Bah, écoutez, je vous propose qu'on continue sur cette piste-là. On va y revenir et on va aller un peu plus loin. Donner la parole à Julien Talpin maintenant. Alors, ma question, c'était plus celle d'introduire la question des discriminations, parce que c'est quand même votre question. J'ai oublié de mentionner vos publications, excusez-moi, mais vous les avez à l'écran. Votre publication, votre livre collectif, L'épreuve de la discrimination, je citerai le tien tout à l'heure, dans lequel vous avez largement développé cette question-là. Mais donc, c'était ma première question, développer autour de qu'est-ce qui fonde les discriminations. Mais j'ai envie de rebondir du coup sur la question de légitimité, là, ou illégitimité, parce que c'est par là que vous l'avez introduite, vous, Walid. Donc peut-être, si vous voulez bien commencer à aborder les choses sur ces questions-là. Avec plaisir. Bonjour à tous et toutes, bah, merci pour l'invitation. En préambule, peut-être dire que moi, je ne suis pas spécialiste ni des bibliothèques ni même des politiques ou des équipements culturels, donc je parle un peu ici avec, d'une certaine façon, avec prudence je formulerai plutôt des hypothèses qu'autre chose, puisque moi, je travaille en général, effectivement, à la fois sur la question de l'expérience des discriminations dans les quartiers et sur le rapport à l'État. Et je pense que beaucoup des choses, au fond, dont on parle ici, tiennent aussi du rapport à l'État, à la fois que l'État entretient avec les habitants des quartiers populaires et la façon dont l'État et les institutions au sens large, au fond, sont perçus par les résidents de ces territoires. Dire aussi que moi, en fait, mon expérience, et dire un peu d'où je parle, donc moi, je mène des enquêtes, notamment dans la ville de Roubaix, en fait, en banlieue de Lille, depuis longtemps. Et sans avoir mené d'enquête sur la médiathèque de Roubaix, j'en suis un usager régulier. Et je crois, en fait, alors je ne sais pas s'il y a des études, en fait, qui ont été conduites sur la question, mais que c'est, en fait, pour le coup, moi, je trouve qu'ils arrivent quand même assez bien à jouer leur rôle d'inclusion des publics et de mixité sociale. C'est un des rares espaces, en fait, dans la ville de Roubaix, qui est extrêmement ségrégée, qui est une ville de 100 000 habitants, 75% de la population en politique de la ville, et le reste de la population qui est extrêmement riche, en fait. Hein, c'est une des villes les plus inégalitaires de France. Et dans la médiathèque, on arrive à trouver, en fait, une diversité de publics. Il y a une forme de miracle, et j'imagine qu'ils se retrouvent également ailleurs, que moi, j'attribue, c'est en tout cas l'hypothèse que je fais,
à l'hybridité des formats et des activités qui y sont proposées. Bon, alors, ça a été évoqué hier, je ne pouvais pas être parmi vous, mais moi, je crois beaucoup, en fait, à l'hybridation des formes d'activités pour inclure des publics différents. Voilà, et très clairement, à la médiathèque, on retrouve des activités extrêmement différentes et des gens qui viennent pour faire autre chose que pour lire. Très clairement, si on veut toucher d'autres publics, mais je pense que beaucoup d'entre vous ici en sont convaincus, c'est pas forcément par l'entrée lecture qu'on va y parvenir, et les gens y viennent pour être tranquilles, pour boire un café, pour aller sur Internet, pour faire éventuellement leurs devoirs pour les étudiants, et peut-être que de proche en proche, ils en viendront à d'autres types d'activités, si un travail efficace est fait en ce sens. Un mot sur la question au fond de des discriminations éventuelles et de la question de la légitimité des cultures populaires et leur place qu'elles peuvent trouver dans les équipements culturels. D'un côté, je pense que c'est une vraie question. Et pour rebondir sur ce qui a été dit ce matin, et moi qui m'a beaucoup marqué sur, et je me permets du coup une petite excursion sur la question des émeutes, sur Borny, je trouvais ça vraiment d'une façon très, très touchant et assez admirable. Pour le dire simplement, moi je ne crois pas qu'on ait brûlé, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais, y compris à la lumière des travaux de Denis Merklen, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, qu'on brûlerait des bibliothèques principalement par manque de reconnaissance des cultures populaires, pour le dire comme ça. Moi, à mon sens, je serais intéressant d'en discuter avec vous, j'avais envie de poser des questions tout à l'heure à madame, mais moi, l'hypothèse que je fais, c'est que les bibliothèques sont à certains égards des victimes collatérales de la conflictualité ordinaire avec l'État. Et qu'elles sont bien souvent agrégés dans un tout un peu général où on va ne pas faire une distinction fondamentale entre la police, l'école, l'institution municipale et éventuellement la médiathèque. Il peut y avoir des formes de conflits localisés, des enquêtes localisées, il y en a peut-être en cours, seraient nécessaires de ce point de vue-là. Mais en tout cas, moi, de ce que mes enquêtes ont montré, je ne crois pas, et que, au fond, la réponse à ces phénomènes-là ne réside pas, à mon sens, principalement par une transformation de l'offre culturelle, quand bien même ça peut aussi passer par là. Et je crois qu'il y a des enjeux aussi à reconnaître probablement davantage dans tous les équipements culturels, la légitimité des cultures populaires sous toutes leurs formes. À cet égard, et pour quand même répondre sur la question des discriminations, moi je suis quand même frappé. Alors pareil, moi je n'ai pas fait d'enquête systématique et je ne sais pas s'il y en a sur la programmation, en fait, des politiques, des médiathèques et des bibliothèques dans les conférences et les expositions qu'elles organisent. J'ai quand même l'impression que ces questions-là ne sont pas saisies centralement par les bibliothèques et les médiathèques. Bon, par exemple, moi, je suis, j'en discute aussi avec d'autres collègues, assez rarement sollicité pour présenter mes travaux, en fait, dans des bibliothèques, que ce soit en quartier populaire ou ailleurs. Et globalement, j'ai le sentiment que les questions de discrimination, de racisme, de violence policière, sont rarement mis à l'ordre du jour des débats qui, par ailleurs, peuvent être organisés dans ces espaces-là, où, par ailleurs, il se passe des choses extrêmement intéressantes. Moi, je suis d'assez près, par exemple, la programmation d'une médiathèque comme celle de Roubaix. Il y a plein de choses sur les questions environnementales, par exemple. Il y a plein de choses sur les questions de féminisme et les relations de genre. Mais les questions qui sont quand même assez fondamentales, en tout cas à la lumière des enquêtes que je peux conduire, qui sont celles des questions de racisme, de discrimination, de violence policière, sont, me semble-t-il, pour partie esquivées. Alors, de ce point de vue-là, moi, je ne crois pas que les bibliothèques soient spécifiques. Je pense que c'est très risqué, notamment pour des acteurs, ou pas un statut associatif, qui dépendent de financements publics. Moi, je travaille justement en ce moment, je conduis une enquête sur le champ de l'éducation populaire et les formes d'autocensure qui s'y déploient, et le fait qu'un certain nombre d'acteurs de l'éducation populaire ne se saisissent plus de tout un ensemble de sujets que je viens de lister. On pourrait évoquer la question du conflit israélo-palestinien pour être dans l'actualité, pour se prémunir de conflits éventuels et de sanctions institutionnelles, voire de pertes de financement. Et donc je ne blâme pas, évidemment, les acteurs, y compris culturels, qui ne se saisissent pas de ces questions-là, mais je crois que c'est un vrai problème. À la fois pour attirer des publics et pour faire un travail, je pense que les bibliothèques sont aussi dans leur rôle d'éducation populaire sur ces questions fondamentales et qui permettent aussi là, de diversifier aussi les formats. Alors moi, je parle exposition, conférence, parce que c'est ce que je connais le mieux d'une certaine façon, mais je crois que aborder ces sujets-là est aussi un moyen de diversifier les formats et les modes d'intervention des cultures populaires qui ont évidemment toute leur place dans ces équipements-là. Merci beaucoup. Vous dites déjà beaucoup de choses. Alors, vite, mais là-bas, on suit, vous suivez.
Madame la facilitatrice graphique, ça va, vous arrivez à suivre? Je vais ralentir. Merci beaucoup pour tout ça, parce que oui, y a déjà beaucoup d'éléments. Du coup, j'ai envie de rebondir. Alors, la question du bibliothèque lieu de débat, ça nous intéresse quand même, parce que là, on est quand même un peu dans les réponses, mais je vous propose de garder ça et on en reparle à la fin, si ça vous va, parce que là, on peut être quand même dans quelque chose qui serait des pistes de réflexion. Vous l'aviez déjà évoqué sur le webinaire l'été dernier. Enfin, en tout cas, moi, j'avais noté cet aspect-là. Alors là, on arrive un peu au centre du sujet que vous avez évoqué là aussi sur... moi, la question, je la posais de manière un peu brutale, mais sciemment. Du coup, je rebondis moi aussi avec ce que vous avez dit, Julie. À un moment, vous avez posé la question... Pourquoi a-t-on été touché? On ne sait pas, en fait. On s'est posé la question, forcément, vous vous êtes posé la question. Donc on peut se poser la question comme ça aussi. Du coup, là, Julien Talpin, vous parlez de bibliothèque comme victime collatérale. J'imagine que derrière, il y a cette question aussi de la bibliothèque comme institution publique plus que comme institution culturelle qui a été touchée à cet endroit-là. Et est-ce que Nawel, vous voulez bien rebondir, et puis je vous donnerai la parole à vous aussi, Walid, là-dessus, peut-être à partir des notions que vous avez déployées aussi dans votre ouvrage Plaidoyer pour une culture réhumanisante, et que sur lesquelles on a discuté en préparant la table ronde. C'est cette question, alors je vous laisse décrire, mais de la résilience, de la désilience. Vous m'aviez dit aussi à un moment cette colère qui s'est exprimée dans les quartiers à travers les émeutes, qui pourrait ressembler à un espèce de MeToo de la considération des habitants. Enfin, je veux bien que vous décriviez un peu cette pensée-là. Alors, je voudrais poser... Sous le regard du journaliste, quelques punchlines qui sont intéressantes à garder en tête, parce que des fois, ça permet aussi de rechanger de récit collectif par rapport à certaines notions qu'on a intégrées dans nos manières de penser. Je prends. Premièrement, c'est pas parce qu'on a accès à un corpus humaniste qu'on produit des politiques publiques humanisantes. On a pour preuve un autre gouvernement qui se réclame d'un corpus humaniste, et pour autant, plus ça va, plus on produit, à mon sens en tout cas, des politiques publiques déshumanisantes, et on l'a vu en pleine crise sanitaire avec cette affirmation diagnostique « nous sommes en guerre en temps de crise », alors qu'on a 60 ans de politique culturelle derrière nous. Ça a été une formule extrêmement, à mon sens, déshumanisante et qui a mobilisé un imaginaire guerrier déshumanisant. Deuxième punchline, c'est pas parce qu'on accède au beau qu'on produit du beau. Parce que la culture, c'était pouvoir accéder au beau pour produire du beau. Et j'en veux pour preuve, les parterres de nazis qui s'extasiaient devant de belles œuvres d'art en commettant ce qu'ils ont commis comme ignominie humaine. Donc, voilà, ces vérités ne sont pas aussi vraies que ce qu'on peut imaginer. Et troisièmement, je pense que c'est intéressant de revenir un peu à des notions anthropologiques, sociologiques pour... régénérer un peu ce sujet-là, pour se dire finalement de quoi on est nourri, nous, humainement, fondamentalement. Quelles sont les structures fondamentales de l'être humain? Et je renvoie au dernier ouvrage de Bernard Lahire, sociologue, dont c'est le titre d'ailleurs, les structures fondamentales des sociétés humaines, où on est tous régis par des structures fondamentales qui sont la peur, le désir et le besoin de reconnaissance. René Girard aussi, qui est aussi anthropologue, a travaillé sur les origines de la violence, et il définit les origines de la violence par trois fondements, qui sont ceux-ci aussi, la peur, le désir et le besoin de reconnaissance, qui prennent corps, qui s'expriment, qui se manifestent à travers de l'agressivité, de la haine, de la colère, et qui répondent à des fonctions de conservation, de destruction ou de transformation. Je trouve que c'est intéressant de revenir à ces fondamentaux-là. Et je mobilise aussi un corpus des sciences cognitives. C'est pour moi un champ de bataille hyper important, parce qu'on voit très bien que tout ce qui est marketing, commerce, ils ont su mobiliser le corpus des sciences cognitives pour pouvoir
avoir une culture professionnelle qui soit au plus près des structures fondamentales de l'être humain, et que finalement, dans les politiques publiques, on mobilise très peu ce corpus-là des sciences cognitives, en tout cas dans les politiques culturelles. Et il y a une équation hyper importante à garder en tête, qu'un processus émotionnel engendre un processus décisionnel qui engendre un processus comportemental. Si on a cette équation en tête, je pense que ça peut permettre de se dire, ben, qu'est-ce qu'on, en mettant en place telle action, qu'est-ce qu'on génère comme processus émotionnel, comme émotion, qu'est-ce qu'on génère comme émotion, et qu'est-ce que potentiellement ça peut engendrer comme décision et comme comportement. Voilà, c'est pour vous dire un peu en puzzle, un peu ce qui me semble intéressant à mobiliser. Comme corpus de pensée. Et les sciences cognitives, elles sont intéressantes parce qu'on les a beaucoup mobilisées pour Boris Cyrulnik notamment a travaillé beaucoup sur ces questions pour travailler la notion de résilience humaine. Et effectivement, la résilience humaine, c'est une expression d'un besoin de survie. Qui fait pour faire face à la peur, au désir ou un besoin de reconnaissance. Et ce besoin de survie, il peut s'exprimer par la résilience où on rebondit après un trauma, une résistance où on considère que on ne bouge pas dans notre peau sur quoi qu'il se passe, on reste stoïque face aux événements qui nous arrivent, et une autre posture qui peut être celle de la désilience. Et justement, la désilience, elle est compliquée parce que si on prend l'échelle d'un être humain ou quand il y a des par exemple, l'extrême, c'est la tentative de suicide, c'est un acte de désilience. L'automutilation, c'est un acte de désilience. Et c'est intéressant de penser cet acte de désilience à l'échelle d'un territoire. Quand on commence à détruire dans son territoire les besoins essentiels de son territoire, est-ce que ce ne serait pas... C'est un acte certainement... Enfin, c'est à lire par ces trois prismes-là. C'est un acte certainement de résilience pour dire cette colère, exprimer cette colère. Un acte de résistance, parfois, pour dire... où on ne réagit pas, mais on commente ce qui se passe. Voilà. Ou alors un acte de désilience pour dire... On est tellement délabré humainement, on est tellement déshumanisé que finalement, on n'a plus rien à perdre. Et quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, il commet parfois des actes extrêmement violents pour aller jusqu'au bout de la démarche. Donc peut-être c'est intéressant de se dire comment on lit ces révoltes-là dans la manière dont ils expriment leur violence. Et après, je mobilise aussi les travaux de Merwan Mohamed, qui avait analysé aussi cette question-là en disant en fait qu'il n'y a pas un profil unique et il n'y a pas une raison unique qui fait qu'on attaque des lieux communs, du bien commun. Et le bien commun le plus proche de soi, finalement, c'est dans un quartier populaire, c'est quand même les bibliothèques. On n'attaque pas ce qui n'existe pas sur un quartier populaire. Il n'existe malheureusement plus grand-chose dans les quartiers populaires. Donc, on va attaquer ce qui existe. Parce que les autres services publics désertent de plus en plus ou sont démunis dans leurs moyens. Donc, finalement, et je fais un parallèle avec la figure d'attachement, parce que quand on est en colère, on attaque en premier lieu la figure de l'attachement. Donc c'est assez intéressant de garder ça en tête. Et Marwan Mohamed disait qu'il y avait à la fois une volonté de faire justice soi-même, de régler un contentieux, donc par rapport à l'histoire de Naël, donc c'était faire justice soi-même, à un moment donné, récit contre récit, violence contre violence, pardon. Il y avait un effet symbolique aussi, de vouloir faire partie de l'histoire. Donc voilà, il y avait un effet ludique aussi, pour certains, c'est de s'amuser simplement à brûler des choses. Et on se voit bien dans les profils des jeunes qui ont été arrêtés. Je prends l'exemple sur la métropole de Lyon à Saint-Fond. C'était malheureusement, il y a un jeune qui a attaqué un équipement public. Je ne suis pas sûre que c'était, je pense que c'était la médiathèque. Enfin, c'est un équipement public. Et finalement, il a été arrêté, retrouvé. Et c'était un petit jeune adolescent qui était issu d'un parcours de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qui avait des pratiques de pyromanie de temps en temps dans les poubelles. Tout ça. Et puis, il avait un effet d'opportunité. Donc, il a cramé un équipement public. Mais ça ne vient pas forcément raconter son rapport à cet équipement-là. Et puis, il y a eu un effet économique aussi. Quand on a détruit des vitrines, ce qui a été récupéré le plus, hein, ce n'était pas des choses extrêmement chères, c'était des denrées alimentaires, des couches. Dans un phénomène où il y avait aussi... on vit tous l'inflation et on voit ce que c'est comme désastre pour les plus vulnérables de nos territoires. Donc, il y a plusieurs effets qui peuvent expliquer cette raison-là. Mais je partage complètement l'avis de Julien pour dire que
c'est pas forcément une remise en cause des rôles des bibliothèques, des médiathèques sur les territoires. Il ne faut pas surinterpréter, d'autant plus que quand même, pour avoir aussi se passer dans les collectivités, c'est quand même les médiathèques, les bibliothèques sont quand même les équipements qui connaissent le plus les enfants, qui les voient grandir, qui accueillent les familles, qui sont un lieu symbolique d'attachement, d'affection. Et voilà, donc à un moment donné, il ne faut pas non plus trop s'autoflageller, même si c'est important de re-questionner les pratiques professionnelles avec, par le prisme, entre autres, des droits culturels, de se dire comment on fait évoluer les pratiques pour se poser la question, qu'est-ce qui fait patrimoine commun, qu'est-ce qui fait référence commune, est-ce qu'on fait juste lire la France ou vivre la France, je fais une autre punchline, et du coup, comment on vit la France ensemble, comment on la constitue, cette France-là, au sein d'une bibliothèque médiathèque. Donc, c'est ces questions-là. Et je voulais juste faire un petit parallèle, et je m'arrête parce que je suis vraiment très longue dans ma... Et je voulais faire un parallèle entre brûler les bibliothèques ou des équipements publics dans les quartiers populaires et le parallèle avec les agriculteurs qui ont cramé, détruit leurs haies, qui sont quand même des réservoirs de biodiversité qui sont essentiels pour leur métier d'agriculteur. Et un des actes qui se sont propagés pendant la révolte des agriculteurs, c'était de brûler les haies qui sont symboles aussi d'une culture française, de l'agriculture. Et voilà, ça, je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à faire. Pourquoi, eux, ils ont fait cet acte-là de désilience, finalement, vis-à-vis de leurs pratiques agricoles et de leur nécessité en tant qu'agriculteurs. Et pourquoi, dans les quartiers populaires, on brûle les lieux aussi qui font l'essence et l'âme, finalement, des quartiers populaires. Merci beaucoup, Nawel. Je vous propose, Walid, de réagir, si vous voulez bien, à ce qui vient d'être dit. Et en préparant la table ronde, vous m'aviez dit aussi que vous aviez couvert les émeutes, donc vous avez aussi peut-être, ce serait intéressant pour nous, très intéressant pour nous d'avoir votre regard à vous de jeune journaliste, vous aviez dit que vous étiez jeune, à partir de ce qu'on vient de se dire là aussi. Alors, je rejoins Nawel sur énormément de choses, et aussi Julien sur l'aspect où en gros, le fait de cibler des bibliothèques au niveau des attaques, ça, c'est pas forcément, c'est pas forcément cibler la bibliothèque en tant que telle, en tant que bibliothèque et par rapport à ce que représente au niveau du quartier, mais plutôt comme une institution publique. Au bout d'un moment, quand il y a une colère et que justement, que ce soit bon au niveau d'une manifestation ou pas, c'est humain. Genre, au bout d'un moment, quand on est énervé, on contrôle plus nos nerfs, on casse tout et ça c'est quelque chose d'assez humain. Maintenant le truc c'est que y a eu un parallèle très intéressant qui a été fait vis-à-vis des agriculteurs parce que c'est vrai. Moi j'ai pensé aussi aux gilets jaunes. Lors des révoltes des gilets jaunes, on s'est retrouvé avec et c'était pas forcément des personnes qui étaient issues de banlieues ou même à la rigueur. Il n'y avait même pas de revendication en tant que telle venant de forcément et exclusivement de la banlieue. Maintenant, il y a le truc où les gilets jaunes ont aussi sur les faits attaqué pas mal de commerces, etc. Et il y a eu énormément d'affrontements avec les services de police. Le truc que moi j'ai vu, sincèrement, et même au niveau, et c'est ce que je disais. Lors de la préparation de ce débat, c'est qu'il y a mine de rien une forme de maturité au niveau de, que ce soit du récit commun ou si même au niveau de la volonté, c'est que il y a cette reconnaissance bien sûr de la place de la bibliothèque. Nous tous, on a été à la bibliothèque, que ce soit à partir de la primaire jusqu'au lycée, comme Julien l'a expliqué, soit pour aller sur Internet, soit pour se poser avec nos potes et lire ou sinon discuter et puis même tout simplement s'approprier ces endroits-là. Maintenant, de ce que j'ai vu, il n'y a pas forcément un ciblage bien particulier vis-à-vis des bibliothèques. Je le mets au clair. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est que ces actes de résilience ou de résistance ou de désilience, comme l'a évoqué Nawel, c'est dans l'histoire aussi, on l'a toujours vu, c'est toujours arrivé, que ce soit au niveau des révoltes étudiantes
en 68, c'est ça ? C'est ça. En 68, ah bah oui, mais moi je suis un 2000. Hein. Il y en a eu quelques autres après 68 aussi. Oui. Mais je cite, on va dire, une des plus marquantes, parce que ça démontre aussi que ce comportement, ou à la rigueur, ce type d'agissement n'est pas forcément propre à un environnement ou à un territoire. Après, moi, au niveau de mon travail, ce que je me suis pas mal axé aussi au niveau des violences policières lors de cet événement tragique. Et en tout cas, à Montfermeil, je me souviens que, sans citer son nom, mais il y avait un jeune qui m'expliquait que le fait aussi d'attaquer une sorte de médiathèque, mais l'attaquer sans forcément avoir cette volonté de la détruire en tant que telle, mais ça permet aussi un peu de se retrouver avec cette confrontation directe avec la police, quoi. Et ça, c'est vraiment des paroles qui ont émergé, par exemple. Est-ce que Julien, vous voulez réagir ou poursuivre à partir de ce qui vient d'être dit, et puis on poursuit. Non, peut-être premier point sur effectivement l'attachement en fait à des lieux comme les bibliothèques. Moi, je le vois aussi pas mal sur les centres sociaux en fait dans les quartiers, qui malgré tout ont pu être ciblés au moment des émeutes. Attachement qui est lié en fait à ce qui contribue à dire ça, contribue aussi un peu à relativiser certaines prénotions qui sont diffusées dans le débat public, à une sensibilité très forte, notamment des parents dans les quartiers populaires, pour le devenir de leurs enfants et leur devenir scolaire en particulier. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas du tout dans mes enquêtes de démission des parents, mais au contraire, une attente extrêmement forte d'ascension sociale, scolaire, ce qui se traduit par notamment l'investissement au centre social pour que les gamins soient un peu cadrés, la participation à des activités à la bibliothèque pour que aussi ils évitent de faire des conneries et potentiellement ils aient aussi accès à une culture dont on a bien le sentiment qu'on n'a pas toujours à la maison. Et donc voilà, cette place des enfants et l'aspiration à la mobilité scolaire avec un sentiment très aigu chez les parents dans les quartiers populaires que malgré ce rapport conflictuel avec l'école en particulier qui les a souvent maltraités, c'est quand même la seule façon de s'en sortir, ce qui explique aussi une éviction croissante vers des écoles du privé. Hein. Je pense que c'est important de le rappeler. Et je ne dis pas ça pour vous brosser dans le sens du poil. Moi, c'est vraiment un truc que je ressens sur cet attachement à des institutions dont on a le sentiment qu'elles peuvent nous aider à s'en sortir. Quoi. Et c'était un peu évoqué aussi ce matin, pareil. Et malgré tout, on peut être conduit à les brûler. Une des questions, en fait, est sur le parallèle agriculteur, gilet jaune, quartier, une question qui a été beaucoup posée en juillet dernier, mais c'est pourquoi s'en prennent-ils aux équipements de leur quartier, au fond ? Aller sur les Champs-Élysées, aller dans les centres-villes, pour exprimer votre colère si celle-ci est dirigée vers l'État, vers le gouvernement, etc. Et je crois, en fait, que si le parallèle est intéressant, en fait, il y a quand même une forme de rationalité des émeutiers à brûler dans leur quartier. La principale, au fond, c'est pour se prémunir de la répression, pour le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre les cibles différenciées des émeutiers, si on veut les appeler comme ça, agriculteurs, gilets jaunes et quartiers populaires, indépendamment du traitement institutionnel qui leur a été réservé. C'est-à-dire que les agriculteurs, au fond, ils ont pu s'en prendre à des préfectures, etc. Il y a une préfecture qui a brûlé au moment du mouvement des Gilets jaunes au Puy-en-Velay. Alors la répression, notamment judiciaire, a été assez dure. Mais j'ai envie de dire quand même sans commune mesure avec celle qui a touché les émeutiers après les émeutes de l'été dernier. Il y a eu des morts, quoi. On a parfois tendance à l'oublier. À Marseille, il y a eu un mort au moment des émeutes, les violences policières extrêmement, extrêmement importantes. Et de ça, les jeunes, en particulier, qui ont participé aux émeutes, je crois, ont une conscience très aiguë. Déployer le mouvement émeutier sur un territoire qu'on connaît, c'est au fond une ressource qui permet de se prémunir potentiellement de cette répression qui ne manquera pas d'arriver. On peut le déplorer, on peut trouver que c'est irrationnel, on peut trouver que c'est extrêmement court-termiste. Moi, je ne suis pas là pour formuler des jugements de valeur ici, mais je crois qu'il y a une rationalité de cet ordre-là qui tient à un traitement institutionnel différencié des formes de violence populaire qu'on a évoquées ici. Je ne sais pas si ça rebondit. Après, je pourrais continuer sur d'autres choses, mais je vais peut-être laisser la parole. Nawel, est-ce que vous voulez réagir aussi à ce qu'on vient d'évoquer là, à partir de cette question-là des violences, ou alors on avance. Alors avançons. On pourra y revenir et puis
peut-être aussi dans les questions que vous aurez, parce qu'on va laisser une place à vos réactions et à vos questions dans la dernière partie de la table ronde. Si on veut avancer un peu, il y a d'autres notions encore qu'on n'a pas abordées et qu'on a entrevues hier, qui sont la question de la réappropriation. Alors, du coup, moi, je repense aussi à la journée d'hier, la matinée d'hier, lors de laquelle nous vous avons entendu, vous qui êtes juste devant moi, Afid et Adil de Émergence, c'est ça, hein, Apsis Émergence à Metz, à travers le projet Les Chaises Pliantes. Alors, je vais mal le présenter, mais je vais juste synthétiser pour vous qui n'étiez pas là hier. Les Chaises Pliantes, c'est dans les quartiers de Metz, Borny notamment. Vous avez proposé ce projet Les Chaises Pliantes qui sont vous comprenez sans doute le clin d'œil des chaises pliantes qui sont aussi l'instrument des guetteurs notamment, voilà, donc contourner cet objet-là et puis proposer de s'installer dans les lieux. La première initiative, ça a été sur les lieux de la médiathèque. Vous étiez présente, Julie, vous me l'avez dit, donc, et provoquer le débat, justement. Mais vous l'avez aussi introduit, il me semble, hier matin, en disant qu'il y avait cette question de la réappropriation de l'espace, de se réapproprier l'espace public. Alors moi, j'ai trouvé cet exemple tout à fait... ce projet est tout à fait pertinent et intéressant. Et en plus, symboliquement, ça nous dit plein de choses. Et la question que je voulais vous poser derrière, et je m'adresse peut-être à Julien Talpin d'abord, c'est sur cette question de la réappropriation. Je crois que vous avez des exemples en tête parce que vous m'en avez parlé au téléphone. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Est-ce que ça peut être une piste de réponse, là aussi? J'enchaîne. Alors, effectivement, c'était un peu le sens aussi de ce que je disais tout à l'heure, où tout n'est pas qu'une question de programmation et d'offres culturelles. C'est-à-dire que souvent, pour répondre, notamment quand on cherche à diversifier ses publics, à toucher des publics qu'on ne touche pas, au fond, on se dit qu'il faut parler des questions qui leur parlent vraiment, s'intéresser à leurs vrais besoins, etc. Et je pense que c'est important, hein, d'une certaine façon, quand j'évoquais la nécessité peut-être de s'emparer davantage de la question des discriminations, des violences policières, etc., par exemple. Ça en fait partie, mais je pense que c'est loin d'être suffisant. Et effectivement, il faut nécessairement aller au-delà. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions qui ont pu être menées. Moi, je n'en suis pas spécialiste sur les questions de médiation culturelle. Moi, je crois à plusieurs choses, en fait. C'est un... je crois quand même au pouvoir des lieux, en fait. Alors, je pense que ça peut être intéressant de sortir des lieux. Et moi, je pense qu'on a besoin de lieux dans les quartiers populaires. En fait, on a besoin, moi, de ce qu'on appellerait en anglais quasiment des safe spaces, en fait, face à des formes aussi de violence ordinaire qui peuvent exister dans les quartiers populaires. Et c'est réel. Moi, je crois que la bibliothèque peut jouer ce rôle-là, en fait, d'espace où on est tranquille, quoi. Où précisément il n'y a pas le deal, la police, des menaces qui peuvent être présentes et on est relativement... Et donc envisager la bibliothèque, comme ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un moment en sortir, mais je pense que c'est un élément tout à fait décisif et c'est aussi dans... on a plus beaucoup, en fait, d'endroits dans les quartiers du fait, de la fermeture d'un certain nombre de services publics, etc. L'école qui n'est plus forcément un espace où, dans les temps extrascolaires, il se passe des masses de trucs pour tout un tas de raisons. Alors, les centres sociaux jouent beaucoup ce rôle-là, et moi, je crois à leur rôle, mais je crois que les bibliothèques doivent pouvoir continuer à jouer ce rôle-là. Quand je parle de médiation et d'intermédiation, moi, je crois beaucoup, alors je ne connais pas effectivement l'expérience des chaises pliantes, sur le rôle des... effectivement des acteurs, en fait, de ce point de vue-là. Et voilà, il suffit pas d'avoir la bonne programmation pour pouvoir toucher les gens. Moi, un des trucs qui m'avait frappé, dans un autre domaine, moi, je me rappelle, il y a un gros équipement culturel, pour le coup, à Roubaix, qui s'appelle La Condition Publique, qui a tout un ensemble d'activités, en fait, artistiques, des expos, des débats, des concerts, etc. Et c'est, il y a aussi une piste de skate. Ils essayent vraiment tant que bien que mal. Un des trucs qui m'avait frappé, moi, c'est ils avaient, au regard des critiques qui leur étaient adressées, par exemple, sur
la programmation en termes de concerts, ils avaient finalement décidé d'inviter Medine, donc rappeur bien connu, etc. Bon, et au final, ce concert-là, il n'y avait que des blancs, en fait, qui me ressemblaient. Voilà, et que ça n'avait pas du tout réussi à toucher les habitants du quartier. Alors, ça dit des choses peut-être sur le public de Medine, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais c'est un autre débat. Et je pense que, voilà, sur la question de la. Il ne suffit pas d'avoir la bonne programmation pour toucher. Donc, c'est, voilà, cet enjeu de faire un travail, et y compris un travail dans la durée, de sortir parfois de logiques un peu événementielles, pour le dire comme ça, qui sont souvent dictées par la logique des financements et des appels à projets qui ne rendent pas toujours facile, en fait, cette inscription dans la durée, et pour construire des liens avec des publics qui, naturellement, ne viennent pas forcément pousser les portes de votre équipement. Ben voilà, il faut des gens qui font ce travail d'intermédiation, qui le font dans la durée, et il faut aussi se poser la question du qui, en fait. Voilà, nous, ce qui ressort notamment dans notre bouquin, là, l'épreuve de la discrimination, c'est que la question de l'identification à ces intermédiaires est un élément tout à fait quand même décisif, notamment quand on parle d'intermédiation entre les habitants de ces quartiers et les institutions, mais quelles qu'elles soient. Et donc, une question qu'on pourrait se poser, là, moi, je vais me permettre de mettre un peu les pieds dans le plat, en fait, et je n'en ai aucune idée, aucune enquête, c'est est-ce que un des enjeux pour les bibliothèques aussi, ce serait pas peut-être d'être un peu moins blanche, pour le dire comme ça. Voilà, est-ce que, et sans vouloir dire que les bibliothèques devraient être entièrement à l'image des habitants, des quartiers, etc. Bon, bah, je suis désolé, hein, bon, moi, l'université n'est pas forcément un parangon de vertu de ce point de vue-là, mais la question peut se poser. Voilà, et donc moi, je serais curieux d'avoir des retours d'expérience sur le travail qui est éventuellement mené pour justement, en fait, contribuer à la présence, en soi, de résidents de ces territoires-là au sein de ces structures, parce que je pense que ça contribue. Il y a un enjeu de confiance, parce qu'on parlait de légitimité, tout ça. Il y a un historique de défiance entre tout un ensemble d'institutions, d'acteurs culturels et les habitants des quartiers. Et reconstruire la confiance, c'est pas donné à tout le monde, en fait. Et donc, je pose la question. Bon, j'ai quelques idées, mais je reste évidemment prudent. Je vais proposer à Nawel de réagir, mais je vois que ça vous fait réagir, donc c'est super. Et on pourra poursuivre, si vous voulez, vous pourrez partager vos réactions en fin de table ronde, là, parce que c'est intéressant. Il se trouve que ce sujet a été présent dans les interstices là, des deux journées. On en a discuté au moment des repas. On en a discuté hier soir lors du dîner qu'on a fait sur une petite terrasse dans le quartier. Moi, ça m'évoque très fort. Peut-être que je l'avais partagé avec vous, Julien, mais ça me fait penser aussi à cette table ronde, à un des invités qui a décliné l'invitation. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'est Luc Pinto Barreto, ex-libraire, dealer de livres à Saint-Denis. Alors, si vous ne connaissez pas son travail, enfin le projet de sa librairie, je vous encourage à aller voir. Alors aujourd'hui, la librairie, elle va peut-être sans doute disparaître. La cause, les JO. Sa librairie était installée sur le parvis de la gare de Saint-Denis. Travaux JO, ben forcément, le conteneur dans lequel il était installé a été viré et il ne peut plus être présent. Alors, je m'éloigne un peu là, mais c'était pour faire un peu l'histoire rapidement. Luc Pinto Barreto, on l'avait invité pour cette table ronde aussi, en plus de vous, parce qu'il porte un discours en tant que libraire. Moi, j'aime bien quand on décale aussi. Nous, on est plutôt bibliothécaires aussi, mais les libraires, ils disent sensiblement la même chose que nous. Et lui, Luc Pinto Barreto, il est noir. Il porte ce discours-là en disant, pour devenir libraire, ben, regardez autour de vous, dans les librairies, il n'y a pas tellement de blacks, en fait. Il n'a pas trouvé de travail. Du coup, il a souhaité construire ce projet avec un discours qu'il portait sur les questions de négritude, etc. etc. Enfin bref, je passe, mais en tout cas, cette question est intéressante et on a sans doute une responsabilité à... Enfin, on a sans doute à se la poser. Moi, j'ai travaillé dans les bibliothèques de Strasbourg, la médiathèque du Neuhof, qui est une bibliothèque qui a brûlé deux fois. J'en profite pour glisser que les bibliothèques, elles ont déjà brûlé avant. Nous, elle avait brûlé deux fois au Neuhof. Ça pose quand même la question. Alors là, je suis que l'animatrice, mais je ne peux pas m'empêcher de témoigner non plus. Ça fait longtemps, ça fait 20 ans, mais elle avait brûlé deux fois. À un moment, on s'est quand même posé la question de...
qu'est-ce qu'on fait en fait ? Est-ce qu'on recommence ? Moi, j'aimerais bien partager ça avec vous. C'est super à Metz de vouloir vous réinstaller, bien sûr, mais cette question-là, on a peut-être à se la poser aussi. Et qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça recommence ? Ce sera peut-être la dernière question. Mais avant d'aller vers là, je vous propose, Nawel, de réagir à ce qu'a dit Julien et peut-être ce que je viens de partager aussi. Très bien. Donc, c'est assez riche, donc c'est compliqué de continuer à rebondir. Mais voilà, je vais rester quand même sur le terrain des outils pour compléter avec l'approche plus sociologique. Où Julien a parlé du pouvoir des lieux. Moi, j'ai envie de parler du pouvoir du temps. Parce que qui dit changement dit du temps dédié et une volonté de ne pas s'arrêter à quantifier sur un bilan annuel ce que ça a apporté, ce temps mobilisé, mais de s'autoriser à prendre ce temps pour faire société, pour faire civilisation. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est malade du temps. Et ça, je pense que c'est important de se le redire, ces espaces-là de réflexion à protéger, à sauvegarder. Je reviens un peu sur la question des droits culturels, où justement la question des droits culturels nous invite à interroger le changement de posture professionnelle. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, qui dit élargir le nous, parce que finalement, c'est la peur étrique le nous, le désir compare le moi au nous ou à l'autre, et le besoin de reconnaissance invite à élargir le nous. Et donc la question, c'est comment on se donne les moyens pour élargir ce nous quand on est bibliothécaire, médiathécaire, quand on est acteur culturel d'un territoire. Et finalement, comment on s'autorise à aller interpeller les autres qui ne sont pas étiquetés culture, mais pour autant qui fabriquent la culture sur un territoire, la culture dans le sens anthropologique, encore une fois, c'est-à-dire qui fabriquent un système de valeurs, de croyances, de normes, de légitimité ou non-légitimité, qui inclut, qui est exclu. Et ça prend corps, hein, dans la manière notamment de dessiner une ville, de faire de l'urbain, de penser la ville à hauteur d'enfant ou pas, de vulnérable ou pas. Ça vient interpeller différentes manières de penser la culture. Et c'est là où c'est intéressant de se dire à un moment donné, quand on est acteur culturel d'un territoire, dans ce sens-là, l'idée, c'est pas de se dire comment on produit une politique culturelle sur un territoire, c'est comment on produit une politique culturelle d'un territoire. Et c'est ce changement de plan-là qui est extrêmement audacieux, je le conçois, qui est complexe. Mais on s'était dit hier matin, on a commencé en se disant qu'on accueille la complexité de la pensée. C'est quand même des espaces précieux pour le faire. Et du coup, comment on pense une ligne éditoriale d'un territoire, pas sur un territoire ? Et ça permet aussi de dire comment on va chercher l'urbaniste, comment on va chercher l'économiste, comment on va chercher l'entrepreneur, comment on va chercher l'éducation nationale, comment on va chercher les médecins du territoire, s'il y en a, dans les quartiers populaires, malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. Comment on va chercher tous les acteurs de la dignité humaine, finalement, tous ceux qui ont un rôle à se poser sur la question de l'accès ou du droit à la dignité humaine sur un territoire pour faire culture ensemble. Donc c'est vrai que c'est un changement de paradigme de pensée, mais parce que tout simplement que les lieux culturels historiques à eux seuls ne peuvent pas affronter et contenir et répondre à cette colère-là des territoires qui sont déshumanisés. Parce qu'on en est là aujourd'hui, c'est des territoires déshumanisés, déshumanisants au fait. Déshumanisants par le fait qu'on ne produit plus du service public qui est censé protéger les plus vulnérables et faire du... construire, nourrir du bien commun. Donc on en est quand même, on parle de ce type de territoire-là et que on peut pas restituer ce qu'on ne reçoit pas. Donc c'est compliqué humainement de restituer ce qu'on ne reçoit pas dans son environnement de vie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'ai envie c'est peut-être un peu prématuré de dire ça maintenant, mais je pense que c'est intéressant de le dire, c'est que quand on pense à un projet culturel, on pense beaucoup aussi à un projet économique, parce qu'un choix économique, ce n'est pas juste un choix monétaire, c'est un choix culturel. Et je fais référence aux travaux de Sylvie Laurent, pour ceux qui la connaissent un peu, qui est spécialiste des politiques américaines et qui a beaucoup travaillé sur la question du capitalisme et du racisme, en fait. Donc son dernier ouvrage, Capital et race, est extrêmement passionnant, où je le résume en une phrase, elle dit que le racisme n'est pas un effet collatéral du capitalisme, il est consubstantiel au
capitalisme. Et quand on a compris ça, on comprend que dans notre société qui devient de plus en plus ultralibérale, de plus en plus capitaliste, forcément, elle devient de plus en plus raciste. Et c'est intéressant d'avoir ça en tête aussi, parce que quand on mobilise des outils qui réduisent la discrimination, qui réduisent la déshumanisation, qui réduisent les rapports de domination, qui réduisent les rapports d'exclusion, comme le fait l'outil des droits culturels, ben on rentre dans le système, c'est un antivirus quelque part, et c'est se dire comme ça comment on rentre dans ces algorithmes-là pour pouvoir contrer un peu des systèmes et ben, finalement de résister à la fois de l'extérieur, mais aussi surtout de l'intérieur, parce que c'est des machines féroces et qu'il faut bien les comprendre pour pouvoir mieux les, voilà, les combattre. Merci beaucoup, Nawel. Walid, est-ce que vous voulez réagir sur tout ce qui s'est dit là ou juste avant à propos de lieux de culture blanche, pour faire très très court aussi? Je vais être très, très synthétique, mais dans la globalité de mes propos, je vais reprendre que ce soit les propos de Nawel ou de Julien. Moi, je tiens à affirmer une chose, c'est que mine de rien, on voit que lorsque Nawel d'ailleurs évoque que les territoires sont déshumanisés, comment dire, en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'État qui mène des politiques sociales sans vraiment consulter les riverains. Et en fait, c'est ce que moi j'ai constaté très, très souvent, c'est qu'il y a un sentiment de frustration et donc un manque, en tout cas au niveau de la perception des riverains, c'est qu'il y a un manque de, que ce soit de reconnaissance ou d'écoute ou de prise en compte très claire de que ce soit au niveau des besoins ou peut-être aussi des solutions à proposer. Parce que faut dire aussi que généralement en banlieue, en tout cas pour vous citer ce que je sais, les banlieues françaises sont aussi une partie de la solution. Et donc il y a ce truc où en gros il y a quand même une distance entre les riverains et en tout cas les institutions étatiques, pour quand même rester assez global. Après, si je dois rentrer peut-être un peu plus dans le détail, c'est sûr que, et Julien l'a mis en exergue, et c'est même très bien que ce soit lui qui le dise plutôt que moi. Et merci de l'avoir dit. C'est que, en effet, ce serait quand même pas mal d'avoir davantage de diversité afin de pouvoir aussi se reconnaître. Moi, je parle en tant que jeune, même pas en tant que journaliste avec l'Étincelle, Média et compagnie. Mais c'est sûr que moi, par exemple, si j'avais été, je sais pas si justement, j'ai été à la bibliothèque, que ce soit avec les centres sociaux ou plutôt comme ça avec des amis pour finir des travaux la veille des rendus. Et donc donc c'est sûr que j'ai été amené à côtoyer ce type d'environnement. Maintenant, le truc, c'est que c'est sûr que quand je regarde parfois les têtes des personnes qui sont présentes, ouais, c'est ça. Je me dis, d'accord, c'est ça. C'est pas maman, c'est pas moi, c'est pas un tel. Alors que ça pourrait, et ça devrait. Et je pense même que ce serait davantage plus inclusif. Et puis, même ce type de diversité inciterait aussi les jeunes à davantage venir s'intéresser aux programmes qui soient culturels ou plutôt même ludiques. Parce que bon, médiathèque aussi, voilà, il y a des jeux de société et compagnie, sans vraiment le renfermer à un seul rôle. Il y a aussi cet aspect que j'aimerais mettre en avant, c'est après parfois aussi changer le regard posé sur les jeunes. Parce que je peux vous le dire que, en tout cas, il y a une grosse majorité, silencieuse peut-être pour vous, qui, mine de rien, reconnaît vraiment l'institution qu'est la bibliothèque, même le rôle des bibliothécaires. Ça, faut pas, on va pas, au bout d'un moment, commencer à débattre sur ce sujet-là. Moi, je vous le dis, c'est sûr, en tout cas, que voilà, en termes de diversité, ça aurait été quand même bien d'avoir peut-être un peu plus de têtes. Voilà. Même la salle ici en témoigne. En fait. C'est comme la fréquentation des théâtres. Vous l'évoquiez aussi, je crois, Julien Talpin dans le webinaire. On le voit dans les théâtres. Moi, je suis à Rennes. On le voit dans nos théâtres où la fréquentation est quand même très palichonne. Après, justement, vous m'avez cité le théâtre, et moi, j'ai une expérience qui, d'ailleurs, de ce que j'ai compris, a été citée par
Madame Dati lors d'une commission parlementaire. Et c'était une expérience que j'avais évoquée lors d'une émission à France Culture, sur France Culture. C'est une émission faite d'ailleurs par Nora Hammadi, qui justement questionnait sur toutes ces questions de culture populaire, les droits culturels et compagnie. Clairement, il y a aussi l'expérience en lien avec la discrimination. Vous avez cité par exemple le théâtre. Moi, personnellement, pour vous parler de moi ou même aussi de personnes que je connais et que j'ai suivies, il y a généralement aussi un regard posé. Et c'est pour ça que je parlais de changer le regard posé. Il y a un regard posé qui très souvent semble s'interroger sur qu'est-ce qu'un jeune comme lui fait dans un endroit comme celui-ci. Et ça, c'est un truc que moi, par exemple, j'ai rencontré, ou même beaucoup de jeunes de banlieue ont rencontré. Et en termes de... Enfin, vous avez parlé du théâtre, et justement, je l'évoque, hein, mais moi, je trouve que ça serait aussi intéressant d'avoir cette approche et cette démarche qui vise aussi à décomplexifier et puis à rendre davantage inclusif ce type de procédé, de s'intéresser à la culture et compagnie, etc. Voilà. Il y a l'expérience juste de la bibliothèque de Clichy-sous-Bois, que j'aimerais citer. En termes de diversité, justement, il y a des jeunes du territoire, il y a des gens du territoire qui travaillent au sein de cette même bibliothèque. Et au-delà même de l'identification de la personne, voilà, c'est un mec de chez moi, je peux me sentir beaucoup plus à l'aise qu'avec quelqu'un qui vient de Pantin ou tel endroit. Et je n'ai rien contre les gens de Pantin, bien entendu. Mais... Ça facilite les choses, ça facilite aussi cette volonté, cette envie de venir. Et bon, après, sans parler des solutions que je pourrais proposer, mais ça peut même contribuer à cette volonté d'accueillir et d'être une sorte de safe place, qui pourrait accueillir la parole des riverains et des habitants. Enfin, en tout cas, c'est un des vecteurs qui pourrait faciliter ce type de procédé et démarche. Voilà. Merci beaucoup. On aura encore plein de choses à se dire, à vous partager très certainement, mais on se dirige tranquillement vers la fin de cette dernière table ronde et donc la fin de ces assises. J'ai envie de vous proposer une dernière question qui serait plutôt du côté des réponses, même si on a commencé à évoquer cette question-là. Alors, je reviens du coup maintenant sur cette question de l'espace de débat. Est-ce que vous voulez bien juste en dire quelques mots parce que ça nous intéresse, nous, de l'entendre et savoir ce qu'on peut en faire. Est-ce qu'on est à l'aise avec cette idée-là peut-être, voilà. Et puis, si vous avez d'autres idées, d'autres idées qui pourraient être des réponses, moi, je me souviens, et ça ne vous a sans doute pas échappé non plus, vous... les collègues qui sont dans la salle, il était question un peu des collections, parce que dans les bibliothèques, il y a aussi des collections. Je crois avoir entendu le terme de pluralisme. Enfin, voilà, si vous voulez conclure là-dessus ou sur toute autre chose, on commence par vous, Julien. Je vais essayer d'être rapide pour, éventuellement, si on veut avoir des réactions de la salle, je ne sais pas si c'était prévu, mais peut-être la première réaction que j'avais, c'était par rapport à votre expérience là, de la bibliothèque au Neuhof qui a brûlé deux fois. Moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas lâcher l'affaire, en fait. Alors, c'est facile, de mon point de vue, de dire ça. Et moi, c'est pour ça que je trouvais l'expérience de Borny tout à fait exemplaire au regard de la violence que ça doit représenter, ce genre de choses. Ne pas lâcher l'affaire parce que, et on le dit depuis tout à l'heure, et j'imagine que ça a été un des fils rouges de vos rencontres, mais il y a un besoin de services publics dans les quartiers populaires. Il y a, malgré ce que je disais tout à l'heure, au fond, sur la conflictualité ordinaire à l'égard de l'État et des institutions, il y a une attente d'État, en fait. Chez les habitants des quartiers populaires, et les bibliothèques en font partie. Alors dans un statut probablement un peu hybride, mais tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, il y a un rôle fondamental à jouer. Si les bibliothèques disparaissent, c'est des choses qui ne se feront plus.
des espaces qui ne seront plus là pour abriter tout un ensemble d'activités qui sont indispensables au regard de la précarité, effectivement, qui sévit dans les quartiers. Or, que faire ? Moi, j'ai évidemment pas de recette miracle. Quand même, et on l'a dit d'une certaine façon, c'est des problèmes qui dépassent de très loin, au fond, le cadre des bibliothèques sur lequel on a peu de leviers. Le problème est structurel, systémique, politique et institutionnel, et donc ça se passe ailleurs. Dans, précisément, vous parliez de territoires déshumanisants, je ne sais pas, délaissés en tout cas, c'est certain, dans les moyens et le regard qu'on porte sur les quartiers populaires, voilà, on parlait de dimension symbolique, là, il y a des choses qui se jouent à un niveau effectivement plus politique. Alors, est-ce que une des réponses pourrait être de permettre que les bibliothèques soient davantage des lieux de débat, voire d'éducation populaire? Alors, moi, j'ai l'impression que c'est déjà pour partie de cas, en fait. Pour ça que je le dis comme ça, c'est-à-dire que à Roubaix, par exemple, donc médiathèque, je ne l'ai pas précisé, mais qui n'a pas été brûlée, hein, à la différence du théâtre qui a pour partie été vandalisé, même si bon, j'ai pas de réponse très très précise quand même. Il y a des débats réguliers. Dans le public que ça attire globalement, c'est pas pour le coup, c'est assez blanc et assez vieux. C'est le public des débats en général, en fait. Et donc la forme débat, moi, je passe pas mon temps à dire, faut faire des débats en fait, parce que c'est pas uniquement par la parole, c'est aussi par le faire des fois. Et c'est pour ça que ce qui était fait autour de Borny était intéressant aussi, je crois. Malgré tout, je pense qu'on a quand même besoin d'espace de débat, précisément pour mettre des mots sur les colères et les sentiments d'injustice qui existent dans les quartiers populaires aujourd'hui, et qu'on en a de moins en moins, en fait, d'espace de débat, parce que, et je l'évoquais aussi tout à l'heure, voilà, les structures d'éducation populaire ont de plus en plus de mal à le jouer, ce rôle-là. Donc je ne sais pas dans quelle mesure les bibliothèques ont une autonomie suffisante qui leur permettrait de faire ce que des structures d'éducation populaire ont du mal à faire. Peut-être pas. Je crois quand même que, de par la centralité, mine de rien, du livre, il ne s'agit pas uniquement de proposer des livres, c'est de les faire vivre. Voilà, moi qui écris des bouquins, je suis quand même toujours content de venir les présenter et que ça suscite des débats, des discussions, etc. Et donc, je crois que de contribuer à faire vivre les livres par les débats, je pense que les bibliothèques sont plus que dans leur rôle en faisant cela. Merci beaucoup, Nawel, sur les réponses. Oui, pour finir. Pour les réponses. Pour les réponses, je vais faire référence à un outil d'éducation populaire qui a été cité hier sur la grande histoire et la petite histoire. Je voulais juste rappeler que dans la grande histoire, on a toujours, dans plein de civilisations, on a brûlé, quand on a conquis des territoires, on a commencé par brûler des bibliothèques ou détruire des musées, parce que c'est les lieux où se font les récits officiels, les récits nationaux. Donc c'est aussi intéressant symboliquement de se dire que ce phénomène-là, il fait partie d'une histoire de civilisation aussi. Donc ça vient interroger qui écrit le récit national, qui participe à l'écriture d'un récit commun et qui fait référence. Et je voudrais aussi aborder la question de cette capacité, si on veut s'approprier des lieux et les investir et en faire les siens, il faut pouvoir s'identifier. Et donc, à travers des questions de discrimination, de fréquentation ou pas, il y a la question d'identification. Et je pense que c'est une question extrêmement importante à se poser, parce que on sait, je vais citer Bourdieu, mais la distinction sociale, elle est basée sur la question de pouvoir s'identifier ou pas à telle ou telle façon de vivre, mode de comportement, mode d'appropriation des outils qui sont mis à disposition, mode de s'alimenter, de se loger, voilà, toutes ces questions-là. Donc il y a la question de comment on crée des moyens pour que chacun puisse s'identifier à un lieu, à un espace, à un lieu de débat, à des personnes. Et je vais faire une petite anecdote, je l'ai racontée hier soir pendant le dîner, mais moi, quand j'ai écrit mon essai, il y a des personnes qui m'ont lu, qui m'ont fait des retours très touchants en me disant « c'était très intéressant ». Mais il y a un truc, ça me pose question, tu aurais pu quand même mettre le nom de ton conjoint, parce que mon conjoint qui est d'origine italienne, ça passerait mieux. Voilà. Et en plus, c'était avec une posture très bienveillante et tout ça. Donc, voilà, ça interroge sur qu'est-ce qui ne passe pas, premièrement, et de se dire finalement, mais dans la discussion, ça s'est très bien passé. Je pense, c'est cette personne-là, mais il y en a eu d'autres. Hein, mais pour dire, premièrement, qu'est-ce qui ne passe pas
alors que le sujet et le fond intéressaient. Et deuxièmement, il y a eu tout un débat sur, ben, c'est un acte à la fois féministe de ne pas changer de nom en tant que femme quand on fait le choix de se marier. Et de deuxièmement, c'est un choix aussi de pouvoir permettre à d'autres personnes de s'identifier à un processus d'écriture, de partage, d'aborder des questions de culture quand on est d'origine maghrébine ou de sociologie ou de plein d'autres sujets, mais qu'on n'est pas cantonné à aborder des questions de discrimination. Et d'ailleurs, merci Julien de faire cet exercice à notre place aujourd'hui. Pas de problème. Voilà, juste pour dire que après, c'est pas une question c'est une question d'avoir intériorisé un corpus aussi, et une question de pas avoir conscience finalement de la manière dont on perpétue certains modes de pensée. Donc, d'où l'enjeu aussi de collectivement de faire ce travail-là, de comment on travaille sur des schémas de changement de représentation, de perception, d'un système de valeurs, de symboles et toutes ces questions-là. Et je finis juste sur la question des outils. Moi, j'insiste vraiment sur la question de la réhumanisation, parce que pour moi, sur le récit écologique, on est beaucoup dans des récits dystopiques. Et que dans la culture, c'est le travail de la culture de produire, ou en tout cas de mettre en récit une société plutôt utopique. Et que je pense que c'est intéressant de pouvoir nommer un récit qui serait pour moi, en tout cas moi je le qualifie comme ça, hein, la réhumanisation du monde, hein, pas que des quartiers populaires. Mais on commence, pour moi, mon référentiel de pensée, c'est toujours de commencer par les plus vulnérables, parce que l'inverse n'est pas forcément plus efficace. Et en termes d'outils, c'est de pouvoir mettre en débat, par exemple, moi je propose dans mon essai de mettre en place des débats sur des objectifs de réhumanisation durable ou d'humanisation durable, à l'image un peu des ODD, des objectifs de développement durable, où se dire on réunit des habitants sur un territoire et on leur pose la question, qu'est-ce qui déshumanise à l'échelle d'un territoire et qu'est-ce qui réhumanise à l'échelle d'un territoire. Et mettre en débat ça, c'est un, ça préserve des étiquettes politiques, et de deux, ça permet d'aller sur le fond et pouvoir mobiliser un corpus de ressources culturelles qui viennent à enrichir en tout cas le débat et partager des ressources et co-construire des nouvelles ressources ensemble pour régénérer le patrimoine et le matrimoine. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Walid, est-ce que vous voulez dire deux mots, ou sinon je vous propose de passer aux questions, aux réactions de la salle. Je vais en dire un seul, idem. Merci. Parfait. C'est parfait pour le timing. Vos questions, vos réactions. Alors, on sait que c'est très riche, mais... Oui, merci beaucoup pour ces interventions. Un petit témoignage quand même, et je réagis à cette question de l'identification et de la diversité des personnels des bibliothèques par rapport au public desservi. Un petit témoignage de l'atelier Léonard de Vinci, donc au Mas du Taureau à Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, c'est 110 nationalités. C'est 80 ou 85 langues ou corpus de langues. Ils sont très donc deux choses. On avait cet avantage, c'est que la maire de Vaux-en-Velin, Madame Hélène Geoffroy, a une politique de l'emploi finalement avec sa ville. Pourquoi ? Parce que la ville est le premier employeur du territoire. Et donc ça, c'est un cadre extrêmement intéressant, parce que quand vous êtes fonctionnaire au service de ce plan de mandat dans l'atelier Léonard de Vinci, vous savez que vous pouvez vous appuyer sur une politique de l'emploi de la collectivité qui dit eh bien, vous devez recruter des habitants de la ville, pas forcément simplement du Mas du Taureau, mais de la ville en général. Et donc déjà, vous savez que vous avez un enjeu de diversité. Ça, c'est un cadrage politique très important, très intéressant. Et donc, on a appliqué ça, évidemment. Et la deuxième chose, c'est qu'on a pris l'angle d'attaque des langues, de la maîtrise des langues. Et donc, dans le recrutement d'un certain nombre de personnels, on n'a pas pu modifier l'ensemble de l'équipe, et c'est aussi heureux, eh bien, on a des arabophones, des turcophones. Le dernier recrutement que j'ai fait, c'est une jeune femme afghane qui avait été exfiltrée d'Afghanistan et qui donc maîtrise trois langues, entre le perse, le pachtoun et la troisième langue dont j'ai oublié le nom, permettait d'entrer en contact différemment avec les populations et les habitants qu'on dessert. Et ça, c'est des points de réflexion extrêmement intéressants. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres bibliothèques qui font ça sur le territoire, je ne les connais pas toutes, mais pour le coup... Essayer de s'appuyer sur ce que pense la collectivité de sa politique de l'emploi parce qu'elle emmène une sur le territoire et attaquer la question du côté des langues parce que derrière, ça nous permet, nous, de revenir sur le livre, au livre, mais de manière, dans un contexte plurilingue et ça enchaîne pas mal de choses derrière. Alors c'est un processus long,
C'est pas facile parce que quand on est fonctionnaire, on a le cadre de la fonction publique, et donc avec des cadrages, des statuts, etc. Mais ça vaut le coup quand même de jouer cette carte-là. Et puis le dernier point par rapport à ce que vous disiez autour des jeunes, on a créé un groupe d'ambassadeurs de jeunes de 12 à 17 ans, 18 ans, au moment de la gestation du projet. Il a continué par la suite, l'équipe s'est renouvelée. C'est une manière de parler de pair à pair et d'identification beaucoup plus simple de ce point de vue-là. Et puis dernier élément, là c'est vraiment le dernier, à Vaux-en-Velin il y a 3000 étudiants vaudais et vaudaises qui sont dans les universités lyonnaises. Et bien ceux-là, c'est un réservoir incroyable pour justement les faire travailler. Alors il y en a qui font du classe, c'est-à-dire de l'accompagnement scolaire, etc., etc. Et là, il y a une identification positive. C'est un pari sur une identification positive sur le long terme. Voilà, je pense qu'il y a d'autres exemples sur les territoires, mais je me permets d'apporter ce témoignage de Vaux-en-Velin. Merci beaucoup. Juste une réaction institutionnelle ABF de l'Association des bibliothécaires de France. On travaille sur ces questions de diversification des bibliothécaires depuis plusieurs années avec plusieurs groupes de travail, dont Livre Exil, sur la question des réfugiés et de leurs compétences. Ça nous a permis de déployer une réflexion sur le fait que les compétences attendues dans les bibliothèques n'étaient peut-être pas celles qu'on croyait, et que peut-être connaître des langues ou avoir un savoir-être avec les publics était aussi une compétence forte. J'arrête ma parenthèse institutionnelle et une question derrière. D'accord, donc oui, je voudrais juste faire part d'une expérience et puis une interrogation. En fait, les médiathèques, aujourd'hui, on a plus ou moins tous le même profil en ce qui concerne le public qui fréquente les médiathèques. L'expérience m'a prouvé dernièrement, d'ailleurs, c'était le 8 mars dernier, lors d'une soirée conte sur les mille et une nuits, sur la ruse des femmes, donc un conte français et arabe, où nous avions notre public habituel, hein, vous savez, ceux qui fréquentent tous les lieux culturels, c'est-à-dire le théâtre, les musées et les médiathèques. Et puis, à l'occasion, on avait invité une association donc, qui avait amené son public, et son public était essentiellement d'origine maghrébine. C'était des femmes d'un certain âge, environ 50 à 60 ans, qui n'ont pas forcément les mêmes codes culturels que nous. Donc du coup, en fait, pendant le conte, il s'est avéré que le téléphone a sonné plusieurs fois. Le problème, c'est que la femme, en fait, n'arrivait pas à éteindre son téléphone. Déjà, elle ne maîtrisait pas forcément son téléphone. Elle ne savait pas que quand on rentre dans une salle de spectacle, on éteint son téléphone. Donc ils se sont retrouvés trois dans ce cas-là. Et pour clôturer le tout, et qui a fait bondir notre public fidèle, c'est-à-dire nos clients, hein. Moi je les appelle nos clients, c'est qu'ils sont partis, certains sont partis de la salle, parce qu'à un moment donné est arrivée l'heure de la prière, et la plupart des dames d'un certain âge, elles mettent une application sur leur téléphone, celles qui sont de confession musulmane, pour avoir l'heure de la prière. Et donc, le téléphone, l'heure de la prière est arrivée, le téléphone, forcément, à chanter, et je ne vous raconte pas, donc les gens sont partis, la dame partie parce qu'elle était très très gênée, parce qu'elle ne savait pas du tout comment éteindre cette fameuse sonnerie de l'appel à la prière. La conteuse qui, bon, disait qu'elle était à Marrakech, donc du coup elle a dit bah oui, c'est l'appel du muezzin, enfin bref, c'était juste pour vous dire que d'avoir organisé ça, je me suis sentie très mal à l'aise. D'une part, parce qu'à un moment donné, il y a des personnes que je connais très bien, hein, que je côtoie, qui à un moment donné se sont posées la question sur la conteuse. « Ah ben tiens, c'est bizarre, je trouve qu'elle parlait beaucoup arabe. » Mais c'est bizarre, c'est quand on fait des contes en anglais, enfin bilingue, tu ne me poses jamais la question, est-ce qu'elle parle beaucoup anglais? Donc là, en fait, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est la langue qui a gêné? Est-ce que c'est le public qui a gêné? Est-ce qu'on est prêt à accueillir cette mixité? Et comment on accueille ce public qu'on voudrait vous voir venir? Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir? Est-ce qu'on connaît les codes? Et donc, je me suis posé toutes ces questions, d'où ma présence, en fait, aujourd'hui, puisque la directrice a voulu que j'assiste à ces journées pour... voilà, parce que j'étais en mode... Je vous avoue, j'ai vraiment eu un problème...
d'existentialisme à ce moment-là, parce que il fallait que je tempère, que je me dise que finalement, okay, c'est pas l'appel à la prière, c'est pas les coups de sonnerie de téléphone qui ont posé problème. Je pense que j'avais pas pensé comment arriver à cette mixité du public dans ce lieu, parce qu'en fait c'est dans la médiathèque, mais c'est dans une salle de spectacle à la médiathèque. Et donc du coup, comme disait Walid, c'est vrai qu'aller au théâtre, c'était pas forcément une habitude culturelle quand on vient d'une certaine origine et qu'on habite dans certains endroits. D'ailleurs, la première fois que j'avais proposé à des jeunes d'aller dans un théâtre, ils m'avaient dit bah, « T'es folle ou quoi ? C'est pour les gouères. » Donc les gouères, donc, c'est les Français les bien blancs. Donc comment tu veux que nous, on aille dans un théâtre ? Et donc en fait, c'est ça. Mais comment est-ce que nos publics qui fréquentent nos structures culturelles, est-ce qu'ils sont prêts ? Est-ce que nous déjà, en tant que professionnels, on est prêts à accueillir ces publics qui n'ont pas les codes que nous avons ? Et est-ce qu'on est prêt à faire cette mixité, à accueillir cette mixité des publics. Ok, merci beaucoup. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Ouais. Réponse rapide et puis on devra clore. Hein. Merci beaucoup. Merci pour le témoignage. C'est vrai que ce coup de la sonnerie qui chante, je pense que beaucoup l'ont vécu et ça ne concerne pas que le monde des bibliothèques. Je pense que, enfin, moi qui observe beaucoup, par exemple, de réunions politiques dans le champ politique, ça crée aussi beaucoup de crispations dans certaines réunions qui montrent aussi les crispations et les conflits entre les différents protagonistes de ces espaces. Moi, juste, la question que je voulais poser, elle est très courte, mais parce que je trouve qu'il y a un absent quand même dans la conversation là, qu'on a depuis ce matin sur la question de la culture, enfin, ou alors je l'ai raté, c'est le rapport à la culture hip-hop, notamment au rap. On parlait tout à l'heure, Julien, à juste titre, hein, parlait de l'objet livre, qui est lié à l'objet texte quand même. Ah, t'en as parlé ? Moi, j'ai parlé de... Excuse-moi. En gros, j'ai évoqué ça en l'utilisant sous comment il l'est appelé, la culture illégitime. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'il est vu, en tout cas, dans pas mal de sphères politiques. Bien sûr. Oui, non, mais justement, donc c'est la réflexion que je voulais juste partager, c'est que c'est vrai que rapport au livre, rapport au texte, il y a un sociologue qui s'appelle Sami Zeghnani qui a travaillé hein, sur justement la dimension scripturale du rap, c'est-à-dire la mise en récit d'une expérience et donc du coup la portée à la fois politique évidemment de la mise en récit de cette expérience, mais aussi tout simplement la vérité de reconnaissance d'une expérience dans la sphère publique, voilà, et la sphère publique au sens large. Et du coup, je pense que c'est quand même pour les bibliothécaires un objet d'étude pris sous cet angle-là, justement peut-être en le déplaçant des conflits autour de cette illégitimité, qui est quand même extrêmement paradoxale, parce que par ailleurs, il y a une hyper-présence culturelle du rap en France, hein, donc c'est un terreau aussi, pour le coup, d'un point de vue social pour les bibliothécaires. Et donc du coup, je pense que ce serait intéressant d'avoir des témoignages sur la place laissée à cette pratique-là dans les bibliothèques. Sachant qu'il y a toute une histoire de quand même de la pratique hip-hop dans les structures d'éducation populaire, mais avec une grande séparation entre justement ces espaces et les institutions plus légitimes de la culture. Je réagis très rapidement. Ouais. Le bouquin de Rosine Iso dont je parlais tout à l'heure, c'est justement l'institutionnalisation d'un groupe de hip-hop, de danse, qui se fait dégager d'un lieu un peu fait de briques et de brocs pour construire un centre culturel qui devrait accueillir la culture institutionnalisée du hip-hop, qui a été un débat aussi il y a quelques mois sur le fait qu'on mette un diplôme professeur de hip-hop. Ouais, donc, c'est une question qu'on a en sous-texte, effectivement. Je vous laisse répondre, pardon. Non, mais je peux me permettre de prendre un peu la parole, mais l'intervention est profonde, qu'elle soit au niveau de l'hip-hop ou même au niveau des questions sur le fait que ne serait-ce que évoquer ou avoir une place, je sais pas, l'appel à la prière par exemple, que ça exacerbe justement ou à la rigueur ça crispe certaines personnes, ça enfin alors. Je vais être peut-être un peu. Je vais répondre dans l'ordre.
Mais en gros, c'est vrai qu'il faut s'interroger aussi sur, sur l'aspect de est-ce que, en tout cas, les bibliothèques de France sont prêtes ou aptes à accueillir aussi ce type de public ? Et est-ce que peut-être aussi, si on change de prisme, ce ne serait pas aussi intéressant de décomplexifier toutes les questions liées aux croyances religieuses ? Parce que parfois, bon, madame a évoqué cet appel à la prière lors d'une séance d'atelier, c'est ça si je un compte, ok. Et bah, moi, je me suis retrouvé avec cet appel à la prière lors d'une épreuve du bac. Donc, donc oui, bon, comme l'a expliqué justement le deuxième intervenant, c'est quelque chose qui peut-être s'élargit sur beaucoup de domaines et peut-être qu'il faut se poser la question sur cet aspect. Je mets cette piste de réflexion ici. Sur la deuxième question en termes de rapport avec le hip-hop, et en effet, il a très bien fait de l'avoir évoqué. Moi, quand j'en ai parlé, justement, j'en ai parlé de culture illégitime selon les institutions. Et en effet, moi, pour vous citer juste un exemple, je suis amené à côtoyer les murs des ateliers Médicis. Donc, je ne sais pas si quelqu'un ou si vous savez ce que c'est les ateliers Médicis. Donc, c'est une sorte de villa Médicis. Donc, ça, vous connaissez normalement. Ok. Ok, je suis très rapide. Ok, je suis très rapide. Mais en gros, clairement, ce qui se passe, c'est que ces ateliers Médicis ont été ouverts après les émeutes de 2005 à Clichy-sous-Bois, Montfermeil. Et le but, c'était pour l'État de voilà, ramener la culture au milieu des banlieues, etc. Mais sans prendre en compte au départ, justement, cette question en lien avec l'hip-hop. Et c'est réel. Au bout d'un moment, et c'est récent, enfin, l'établissement a été ouvert en 2017. Et c'est qu'en 2024 que l'établissement commence à traiter des questions en lien avec le hip-hop, invite des rappeurs ou sinon aussi des intervenants qui sont en lien avec ce monde. Et on se retrouve avec un début de reconnaissance aussi au niveau des habitants locaux parce qu'ils se disent, bon, notre culture, la culture que nous, on aime bien, elle commence à être reconnue. Bon, après, il y a aussi l'aspect des danseurs hip-hop et puis le fait de mettre un diplôme je sais pas, pour certifier une compétence, alors que c'est un art de rue, c'est un art qui vient de quand même aussi de contestation sociale. Ça pose beaucoup de questions. En tout cas, voilà. J'espère ne pas avoir été long. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour Nawel, qui voulait dire une phrase. Une phrase. Il faut arrêter de vouloir produire des politiques publiques pour des objets, mais plutôt pour des sujets. Voilà. Et à partir de là, ça peut se décliner sur culture hip-hop, des autres cultures qui se génèrent au fur et à mesure. Et quand on pense par le prisme du sujet, c'est plus important que penser par le prisme de l'objet. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à vous trois pour la qualité de vos interventions et des échanges. Voilà. Moi, j'ai noté débat, attachement, safe place. Enfin, on a quand même pas mal de travail encore à faire, mais pas mal d'endroits aussi où se réjouir de tout ce qu'on peut produire dans nos super médiathèques et bibliothèques. Et le mot de la fin sera pour Céline Ziwes, qui a eu le beau rôle et important aussi d'accompagner avec du dessin ces deux journées. Céline, qui par ailleurs connaît un peu ces questions-là dans des fonctions précédentes sur lesquelles tu as travaillé, sur les questions de discrimination. Je te laisse conclure du coup. Merci. Alors, je sais que vous avez faim. En gros, je vois l'horloge là-bas, donc je l'ai à l'œil. Rassurez-vous, c'est pas trop long. Vous m'entendez ? Ouais, c'est bizarre. Faut que je le colle comme ça, carrément. Non. Moi, je vous propose un petit retour en arrière sur ces deux journées très denses. Je n'étais là que les matinées et pourtant j'ai quand même la tête assez pleine, donc j'imagine vous. Donc c'est un petit retour en arrière. On démarre par hier matin où les collègues de l'ABF ont recontextualisé ces rencontres, se redire que c'est un temps d'échange pour comprendre et pour agir. Comprendre, on l'a vu que ça ne se fait pas en deux jours et probablement toute une vie ne sera pas suffisante, notamment pour faire la lumière sur les rapports conflictuels qui existent dans les quartiers populaires, alors qu'ils existent dans la société tout court, mais qui sont exacerbés dans les quartiers populaires, avec ce curseur que je dessine souvent, parce qu'effectivement, dans une vie antérieure, il y a 10 ans, j'ai été pendant 10 ans
responsable d'une mission lutte contre les discriminations. Donc c'est quand même quelque chose qui m'a traversée très longtemps. Alors maintenant, je dessine. Chacun son tour. Et donc, eux et nous, je l'ai beaucoup dessiné. Tout ça est une question de point de vue, puisque suivant l'endroit où on se place dans ce curseur, on regarde les violences, les émeutes, les révoltes, et on choisit tout un tas de mots différents, puisque ces mots-là, Ulysse Rabaté nous a rappelé qu'ils avaient un sens et qu'ils sont aussi très souvent instrumentalisés, puisque ça fait 20 ans, et en fait plus, hein, puisque c'est la fin des années 70, les premières révoltes urbaines ou les premières violences policières à peu près, 20 ans d'histoire et de vécu politique. Alors, parlons street aussi un peu. Quand même. Donc moi je vis à Rennes, mais j'ai grandi en banlieue parisienne, mais c'est carrément très très loin de moi tout ça, parce que c'est il y a 25 ans. Mais quand même, il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est que les micros sont tendus, alors pas par tous les journalistes, hein, parce qu'il y a des journalistes quand même qui font un autre travail, mais donc on dit où vous écoute, mais on n'entend pas. Il y a beaucoup de casques anti-bruit sur les oreilles, et à la fois des politiques et des journalistes. Alors que la rue est un espace du réel politique, il se passe plein de choses dedans. On a rappelé aussi que les quartiers sont violents, certes, mais que les habitants et les habitantes en sont les premières victimes, et que ce que vivent les habitants des quartiers populaires n'a pas d'équivalent en France, en fait. Alors, dans d'autres pays, sans doute, mais là, on parlait de la France. Alors, les institutions dans tout ça, où sont-elles ? Leur place révèle un paradoxe, hein, intégrez-vous, mais pas trop. Et puis, ne soyez pas trop vous-même non plus, avec en face des jeunes et moins jeunes, hein, on dit toujours des jeunes comme s'ils n'avaient pas le droit de vieillir, qui disent nos droits à l'apaisement, nos expériences. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a une surfocalisation sur les quartiers populaires, on le sait très bien, on l'entend partout. Et que pourtant, elle est presque aveugle, parce que ce qu'on regarde, ce n'est pas ce qui s'y passe, c'est ce qu'on voudrait qu'il s'y passe. Donc on a les QPV, les iris, les dispositifs d'un côté, et puis de l'autre côté, des gens qui gigotent dans tous les sens de façon parfois violente, pour dire on a plein de trucs à dire et à faire. Donc ça, c'était la première table ronde. Je vous emmène dans quelques petites prises de parole que vous avez eues à un moment donné, avec des questions simples, hein. Il est où l'argent ? Donc avec cette statistique qu'on connaît bien sur les dotations des services publics qui sont différenciées suivant les départements, mais le 93 qui est, je crois, le moins bien doté de France. Et une autre question simple, c'est si on veut vraiment être entendu, à quel moment ça marche ? Puisqu'il y a une participante qui a relevé que la participation citoyenne, c'était un peu le nouveau dada de l'action publique, mais pas sur tous les sujets. Je suis libérée de mon devoir de réserve, j'ai démissionné de la fonction publique. Ensuite, c'est confortable, à certains points de vue. Alors, dynamique territoriale et les jeunes dans les quartiers populaires, une autre table ronde, où on nous a rappelé que les jeunes de quartier, c'est une catégorie homogénéisante. Alors, ce que je disais déjà, c'est des jeunes qui n'ont pas le droit de vieillir, qu'ils n'ont pas le droit de s'habiller autrement qu'en sweat à capuche. Et c'est important d'ouvrir la focale pour sortir de cette représentation, parce que même si les sweats à capuche, c'est super cool, ça reste quand même un cliché. Alors, j'ai retenu le nom. Oui, Jeanne Desmoulins nous a parlé de cette étude qu'on a réévoquée aujourd'hui, où 10 quartiers ont été observés à la loupe, à la recherche de ce que j'ai appelé l'expérience urbaine, parce que vivre dans les quartiers, c'est vivre n'importe où. Hein. On génère des expériences de vie qui sont singulières suivant l'endroit où on vit, on grandit, on se déplace. Et c'est important de pouvoir nommer ces vécus-là avec les mots des personnes qui sont concernées. Donc, j'ai noté kebab, inégalité, avenir, sport, discrimination, engagement et bien sûr foot, puisque c'était ressorti. Et les collègues de Metz qui nous ont rappelé que le travail d'éducateur, ça ne peut pas se faire sans confiance. On est revenu sur l'aller vers. On verra plus loin qu'il y avait un autre mot que l'aller vers, c'est l'aller voir, pour pouvoir créer du lien. Alors, il est là, notre éducateur ou notre éducatrice. Hein, c'est quand même le Shiva du territoire, à la fois tiraillé par les acteurs publics qui lui en demandent beaucoup et par ses missions de protection de l'enfance. Donc, c'est un enjeu de se placer au cœur pour pouvoir ouvrir le dialogue, confronter les représentations et le réel, donc avec ce projet Chaise pliante, qui est vraiment, c'est mon point de vue, hyper chouette.
où on parle de ce qui s'est passé et où les gens se parlent vraiment. C'est-à-dire qu'on... C'est vrai que se poser, c'est quand même pas mal. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a enlevé les bancs dans les quartiers, en tout cas. Moi, j'ai grandi sur un banc, donc je vois ce que c'est que les bancs. Non, je crois qu'on les remet maintenant. On les réenlève ? Ouais, c'est un truc, hein, je crois. Je pense qu'il faut investir dans les bancs. Le quartier, c'est un espace paradoxal. On le dit souvent, ça, que d'un côté, c'est violent et de l'autre côté, c'est plein de solidarité. Ça peut être un peu cliché, mais au final, ça revient souvent. Donc, c'est que ça doit être un peu vrai, quand même. Les synthèses des ateliers, vous avez parlé des dynamiques partenariales. C'est là qu'on retrouve le « allons voir » à la place du « allez vers ». Et c'est pas mal aussi de se dire ça, que le territoire et ses habitants, si on n'y va pas directement, on peut gloser pendant des heures dessus. Garder des traces, même des échecs. Alors la crise, comment est-ce qu'on gère une crise ? Bah, c'est pas mal parce qu'on peut utiliser les concepts de gestion de crise dans tous les domaines. La crise de la quarantaine, la crise d'une... J'ai 44 ans depuis une semaine. Et donc, c'est un moment charnière. Il y a des signes avant-coureurs, des éléments déclencheurs et un moment clé qui ferme et ouvre un cycle. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on traverse une crise ? Bah, déjà, on la traverse, on respire un peu et on se réconforte. Vous avez parlé des équipes. Comment est-ce qu'on donne du sens ? Alors, ça ressemble pas vraiment à un équipement de quartier, mais en Bretagne, ça a pas mal de sens. Peut-être vous dire que vos équipements sont des phares et que parfois, ben dans les phares, ça brûle puisqu'il y avait des lanternes à l'époque. Je vous pardonnerai ce jeu de mots pourri. Alors, Julie Fontaine, elle nous a fait un rétex. Moi, je dessine souvent dans les séminaires des pompiers. Alors, rétex, je connais bien. Retour d'expérience. Et c'est hyper important. C'est pour ça qu'ils interviennent aussi bien parfois. Prendre soin de l'équipe, réimaginer, se rassembler, continuer le travail de lien, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours besoin d'un espace, d'un lieu physique, même si Julien Talpin a dit l'inverse, donc je reviendrai à l'inverse tout à l'heure. Et Borny to be alive, donc on est plusieurs à faire des jeux de mots intéressants, où ça bricole. Alors moi, je trouve que le bricolage, c'est la vie. Ça, c'est aussi quelque chose à retenir, c'est-à-dire que dans vos lieux, vous pouvez fabriquer des trucs qui ne sont pas toujours droits. Et en fait, le fait de les faire ensemble, ça joue beaucoup. Dernière table ronde. Il me reste 2 minutes. Sur les droits culturels, comme là, c'est plus frais, je peux aller plus vite. C'est un outil de dignité. Rappelez quand même que quand on parle des quartiers populaires, on parle aussi beaucoup d'identité, de communauté, d'identitarisme, etc. Et ce concept de droit culturel, il revient dire que ce n'est pas une question d'identité, parce que celle-là, on l'a choisie, on en fait ce qu'on veut. C'est une question d'humanité qui va se nourrir dans nos frottements. C'est quand même pas mal si on peut se frotter un peu. Bref, ça, c'est pour voir si vous êtes toujours là. Et Walid nous a rappelé qu'un quartier, une banlieue, c'est pareil que partout ailleurs. On a des besoins, des aspirations. C'est un espace... Là encore, dans un paradoxe qui est à la fois vécu, il y a des gens qui vivent dessus et qui ont des expériences. Et c'est quand même un des espaces de France qui est le plus perçu. C'est-à-dire qu'on regarde à la loupe en permanence. Ce n'est pas le cas de... Je sais pas, moi, je vis à Rennes. Il n'y a pas des discours toutes les 10 secondes sur Rennes. à part pour dire que c'est vraiment bien. Des lieux hybrides appréciés par les habitants. Alors, Julien Talpin nous a posé la question qui était la dernière prise de parole, notamment sur le hip-hop. Quelle place dans ces espaces de l'expérience culturelle et sociale des quartiers ? Donc, où est-ce qu'on peut parler de ce qu'on vit et où est-ce qu'on peut présenter ce qu'on invente et ce qu'on crée ? La violence. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé. Mais je ne vais pas revenir là-dessus avec un enjeu du commun. Mais quand même, revenir sur les agriculteurs et les gilets jaunes, on n'est pas tout à fait dans les mêmes lectures alors que le feu, c'est du feu. Et la colère, c'est de la colère. Vous avez rappelé aussi que dans un cocktail Molotov, il y a de la déshumanisation, il y a aussi de la violence. Mais moi, j'aime bien mettre en perspective à la fois ce qui accroche la personne et ce qui la libère, même si on peut ne pas être d'accord avec ça. Et pour conclure, quels pourraient être vos espaces dans ce contexte social et sociétal qui ne va pas évidemment dépendre que de vous et sûrement pas en 10 minutes, c'est comment est-ce que vous arrivez à créer des îlots
de bien-être, de calme, de tranquillité, qui correspondent à la population, c'est-à-dire qui ressemblent, où tout le monde peut venir, ne pas réussir à éteindre son portable, et c'est pas grave. Peut-être mettre les pieds sur la table basse, wow, et faire un peu de bruit, on ne sait pas. Pour que ça se transforme en « ça va pas être possible », qui est quand même une phrase punchline hyper connue de quand on grandit dans un quartier populaire, à « bienvenue, vous êtes chez vous », pour pouvoir renouveler les espaces et les formes de débat. Voilà pour ces deux jours. Waouh ! Bravo à vous. Malgré tous nos efforts, on a un petit peu de retard, mais les collègues vous attendent quand même pour la visite. Merci d'avoir été là pendant ces deux jours. Merci mille fois à tous les intervenants aussi. On essaie très rapidement de mettre en ligne ce qui peut être mis en ligne rapidement. Et puis, on prend un petit peu plus de temps pour ce qui va prendre un petit peu plus de temps de rédaction. On a envie de faire aussi une piqûre de rappel pour notre congrès qui a lieu à Toulon. C'est notre prochaine échéance sur la programmation culturelle. Et je peux en profiter parce que ça touche un petit peu à des choses qu'on a évoquées ce matin. Le congrès de l'année prochaine, ce sera à Montreuil et ce sera sur bibliothèque et construction de l'esprit critique. Et je pense qu'on va pouvoir réutiliser quelques notions qui ont été évoquées ce matin et hier. Merci beaucoup à tous et à toutes.